La fête des morts est une fête traditionnelle d'une grande importance au Mexique. Et c'est l'une des plus pittoresques de l'Amérique latine. Il y a trois types d'hôtels des morts. Deux niveaux. Le ciel et la terre. Trois niveaux. Le ciel, la terre et l'enfer. Sept niveaux. Ce sont les niveaux que l'âme traverse pour atteindre le repos spirituel. Le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint et la journée des enfants défunts. Et le 2 novembre, c'est la journée de défense adulte. Personnellement, je ne le savais pas, mais le 1er novembre, on célèbre tous les saints qui ont eu une vie exemplaire, ainsi que les enfants morts. Alors que le 2 est la célébration en général dans laquelle la coutume est d'amener des fleurs aux tombes de nos familles. La fleur de cempasúchil ou la fleur des morts. Nolti, ni motoque José, ni Virogua en Altepeji, Puebla, Ashkan y Tlapaguas dice Xochitl, ni Xochitl y toca Sempoal Xochitl, Sempoal 20 igual Xochitl, flor, ni quistos neki flor de 20 pétalos en español. La première théorie dit qu'on place la fleur sur les tombes et qu'on l'utilise comme offrande sur les autels. Car les gens disent que les pétales de cette fleur, grâce à leur belle couleur et leur odeur, facilitent l'arrivée des gens après la mort dans l'autre monde. La deuxième théorie dit que son usage remonte à l'époque préhispanique à Malinalco. Les habitants de ce village plaçaient la fleur sur les autels parce que sa couleur abritait la chaleur des rayons solaires. C'est pour cette raison qu'on trace des chemins avec les pétales dans le but de guider les morts vers les autels qu'on a fabriqués pour eux. La fête des morts coïncide avec la migration des papillons monarques au Mexique. Selon les légendes, les papillons portent les esprits des morts et les aident à visiter le monde des vivants. La deuxième théorie dit que les papillons sont en réalité les esprits des morts qui visitent la terre.